Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, discerner les fausses prophéties. En constatant que Néhémie ne se laissait pas intimider par la tromperie sociale, invitation et dialogue compromettant, ou par la tromperie militaire, rumeur de rébellion par lettre, les ennemis eurent recours à la tromperie spirituelle. Un prophète nommé Shemaïja, au verset 10, se montra très inquiet pour le bien-être de Néhémie. Dans cette sous-intrigue dramatique, cet homme qui s'était enfermé dans sa propre maison, un informateur secret dans la version New King James, signifiant ainsi la gravité de l'affaire, devint anxieux de complots d'assassinat dans la nuit et suggéra que tous deux se réfugient dans le temple. Néhémie ne broncha pas. De nouveau, il découvrit la supercherie. Ses ennemis utilisaient un prophète pour le tromper. Il sentit que Sambala et Tobija étaient derrière ce complot et que Shemaïja était des leurs. Quand le sut-il? Premièrement, un prophète s'inquiéterait davantage du bien-être du peuple de Dieu et de la volonté de Dieu à l'égard de son œuvre. Il y avait une dissonance apparente entre l'œuvre de Néhémie, que Dieu avait dirigée tout le temps, et l'avertissement du prophète. La proposition de Shemaïja signifiait que Néhémie devrait abandonner son peuple, lui insuffler la peur et miner le courage dont il avait fait preuve pendant tout le projet. Deuxièmement, Shemaïja suggéra d'aller ensemble dans la maison de Dieu. Néhémie 6, verset 10, laissant entendre le lieu saint où seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer. Un critère pour tester un prophète, c'est que le prophète ne contredit pas ce qui a été antérieurement établi par Dieu. Le fait que cette prophétie allait à l'encontre de la loi de Dieu prouvait que Shemaïja était un faux prophète. Malheureusement, Shemaïja ne fut pas le seul prophète de la Bible à chuter par amour de l'argent. Néhémie lui répondit avec une fidélité prévisible. « Un homme comme moi prend la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. » Néhémie 6, verset 11. Clairement conscient du complot, il dénonça cette ruse pour ce qu'elle était, refusant de violer le temple. Nullement aveuglé par la crainte d'une tentative d'assassinat, ni mystifié par les propos d'un prophète, Néhémie continua d'y voir parfaitement clair. Apparemment, Shemaïja n'était pas le seul prophète ayant essayé de le tromper. Tobija et Sambala avaient recruté Noadia, la prophétesse. On entend parler d'elle nulle part ailleurs dans la Bible. Et d'autres prophètes pour faire peur à Néhémie, sans succès. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré. Écrivez-le plusieurs fois pour en faciliter la mémorisation. Qu'en est-il de votre perception? Regardez-vous au-delà de la surface dans vos relations. Demandez-vous à Dieu de vous ouvrir les yeux sur votre véritable condition? Comment pouvons-nous distinguer entre les messages qui viennent de Dieu ou non? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.